Allez, quel est le message de ton cœur? On y va aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on souhaite te dire? Et déjà, pour commencer, on te parle de changements positifs dans une relation existante. Une personne du passé est en train de vouloir acter des changements, venir peut-être un petit peu plus vers toi. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il est en train où elle est en train de clôturer des vieux schémas. Et on parle effectivement, tu vois, qu'il est en train d'acter une séparation, un divorce, en lien avec une tierce personne. Alors, ces événements, tu vois, de ce que tu vas obtenir comme information, c'est que là, il va certainement te recontacter par le biais d'un message, via des réseaux, peut-être te recroiser, et puis du coup te parler en te disant que ça y est, il a commencé à bouger un petit peu dans sa vie. Et en fait, effectivement, on voit qu'il est en train, du coup, de se séparer d'une tierce personne. Ce qu'on te dit, c'est que depuis quelque temps, tu recevais des signes. Alors, ça peut être des synchronicités, une plume de tes anges, ça peut être un papillon, ça peut être des heures miroirs. Et tu avais ce sentiment qu'il revenait beaucoup plus intensément dans ta tête. Alors, pourquoi il revient plus en plus dans tes pensées? C'est parce que cette personne, justement, pensait à toi. Et finalement, ce changement dans cette relation vient aussi qu'il essaye de provoquer ça. Il essaye de te croiser, il essaye de te contacter, il essaye de renouer un petit peu le dialogue avec toi. Alors, du coup, bah ouais, ce qu'on voit, c'est que dans un premier temps, parce qu'il n'a pas encore tout à fait réglé à titre matériel, je parle peut-être d'une séparation, un logement ensemble. Enfin avec son ex-femme, il a besoin de relancer la relation avec toi. D'abord, ce qu'on me dit, c'est que vous allez faire cette relation dans un mode un petit peu discret. Je ne parle pas de quelque chose de secret, je parle de quelque chose de discret, vous n'allez pas vouloir forcément vous exposer, vivre simplement cette relation comme ça. Mais clairement, en fait, on voit que là, des sentiments vont très vite réapparaître, qui ont été là, hein, à un moment donné, mais que la vie vous avait plus ou moins éloigné tous les deux. Et vous allez exprimer cet amour qui vous lie tous les deux de manière très intense. Et voilà, ça en fait, on te parle clairement que tu vas pouvoir revivre clairement avec lui ce cycle sentimental. On te dit quand même, attention, répétition de schéma. Le fait d'être dans une relation discrète, vous ne devez pas vous enfermer là-dedans. Au début, c'est bien, mais après, il s'agit aussi d'accepter de vous exposer aux yeux des autres, parce que si vous refusez de le faire sur le long terme, c'est que derrière, il y a des peurs, il y a des peurs de jugement, il y a des peurs de regard des autres. Et vous devez aussi assumer cette part de vous qui s'aime intensément, quel que soit ce que vont penser les autres. Tu dois te détacher aujourd'hui du regard d'autrui. Et en fait, clairement, on voit que tu as un lien particulier avec cette personne. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a les signes qui descendent sous la carte des âmes sœurs, flammes jumelles. Pour moi, on est plus sur une relation sacrée. Sur une relation sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Attention cependant, parce qu'il y a autour de votre relation, il y aura des personnes qui vont essayer de parler, de manipuler. Et ça, c'est important que tu l'entendes. Le petit souci, et là pour le coup, il y en aura un quand même, c'est ce qu'on me dit, c'est que par rapport à l'avancée dans la relation, il va avoir l'intention de quitter cette personne. Le problème, c'est que ça va mettre beaucoup plus de temps que prévu. Et par rapport à ça, il risque de noyer un petit peu le poisson parce qu'il n'a pas envie justement de perdre les sentiments que vous avez reconstruits l'un pour l'autre. Et là, sur ce que vous allez vivre, on sent que vous allez un petit peu vous écorcher par rapport à ça. Vous allez avoir certainement des mots qui vont devoir être posés. Va falloir que tu exprimes clairement qu'aujourd'hui, tu ne veux pas rebasculer dans le même cycle relationnel. Et ce qu'on te dit, c'est qu'il va falloir dépasser tu vois, à nouveau ce regard des autres. Je t'en parlais tout à l'heure. Si vous laissez trop la famille, l'entourage, les collègues juger ce que vous êtes en train de faire, vous pourrez à nouveau connaître à nouveau un éloignement tous les deux. Alors,
Là, la carte, c'est rupture. Mais dans ce cadre-là, dans cette relation, de ce que je ressens, on n'est pas forcément sur une rupture, on est sur un éloignement, une séparation momentanée. Parce que le fait à nouveau qu'il soit pas prêt ou qu'il il mette du temps à, dans la matière à bouger, notamment à quitter sa femme, son ex-femme, va venir générer chez toi des doutes et des peurs. Et on te dit que pour ce coup-ci, les leçons ont été apprises. Vous allez dépasser ça. Mais il ne faut pas que tu génères d'inquiétude outre mesure là-dessus. Il y a besoin effectivement de dépasser les blocages matériels et financiers. On parle effectivement de distance. Mais clairement, vous irez vers une concrétisation des projets. Ne laisse pas tes doutes et tes peurs à nouveau empiéter sur le développement de cette relation, parce que sinon, vous connaîtrez un nouvel éloignement.